Peuple de Dieu dit. Amen. Alléluia. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, nous revenons sur cette scène de Gethsémané aujourd'hui pour mieux nous préparer à la Pentecôte, mais aussi à la marche dans la puissance de la prière. En observant les trois fidèles disciples, serviteurs et amis de Jésus, j'ai dit Jean, Jacques et Pierre, qui étaient avec Jésus à Gethsémané pendant la dernière veillée de prière qu'avait organisée, convoquée Jésus avec ses trois disciples et les autres qui étaient aux environs à Gethsémané. Nous constatons que personne d'entre eux n'était capable de veiller et de prier. Personne. Et ça, ça m'a frappé. Parce que et chaque fois même, dans les églises pentecôtisantes ou pentecôtistes, un des sujets qui est difficile à développer, à inculquer aux gens, pour motiver les gens, c'est la prière. Et chaque fois même, quand nous avons la conférence de prière de notre district, on dit, dis pas prière, sinon les gens ne viendront pas en grand nombre. Ah, je comprends rien, parce que l'église est une maison de prière. Pour toutes les nations. Nous sommes là pour prier. Bien-aimés, il y a une cause pour cela. Une cause qui justifie cette incapacité, cette négligence, ce manque de force des enfants de Dieu quand arrive le moment de veiller, de persévérer dans la prière, de veiller et de prier. Et nous pouvons retrouver, nous allons retrouver et ses causes et en même temps les secrets pour avoir la force de prier, ses causes de faiblesse de notre chair et les secrets pour avoir la force dans ces textes que nous allons voir ensemble. Dans Matthieu 26, 40 à 41, il est dit que Jésus leur fit cette remarque quand il vint la première fois vers eux et les trouva tous endormis. Il leur dit, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé. L'esprit que Dieu vous a donné est bien disposé. Mais la chair qui domine encore votre être est faible. Et dans Matthieu 26, 42, 43, quand Jésus revint la deuxième fois le voir là où il les avait laissés pour prier, il venait inspecter s'il veillait et priait avec lui. Après sa première remarque, il constata que les trois disciples dormaient profondément. Et la Bible dit, non seulement qu'ils dormaient profondément en s'exprimant ainsi, car leurs yeux étaient apaisantis. Je ne sais pas si ça ne vous arrive pas, mais dans ce contexte, c'est... Moi, ce que j'aime dans la Bible, on ne nous présente pas des champions, des hommes... Des héros par eux-mêmes. Quand vous lisez beaucoup d'autres livres sacrés comme les livres de Bouddha, les livres de Mohammed, etc., vous trouverez des gens qui font des exploits. Quand ils tuent les gens, ils font des exploits, ils font la méditation, ils changent. Dans la Bible, on nous montre des hommes faibles, des femmes faibles transformées en héros par le Seigneur. C'est ça la différence entre la Bible et les autres ouvrages que vous voyez. Il n'y a qu'un seul champion dans la Bible. Dieu lui-même. Et même les anges
sont indiqués dans la Bible qu'il y a parmi les anges des gens qui sont tombés. Le problème n'a pas commencé sur la terre est venue après. Le problème a commencé au ciel. Dieu a un ennemi éternel, Satan. Il n'y a pas de réconciliation entre Satan et Dieu. Il n'y aura pas de réconciliation avec lui. La fin de Satan, c'est l'enfer. Et quand vous regardez le monde, nous étions dans le monde communiste et capitaliste, on pensait que tout allait changer avec la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, on entend Poutine, Obama, vous voyez, ça marche pas. Puis on leur a donné tellement de secrets, les Russes, dans l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis, que maintenant, le problème est très, très grave parce qu'on se prépare vers la guerre mondiale. L'Union soviétique est là, émerge encore. La Bible nous montre comment cet ours va être puissant à la fin. La Chine est là. La petite Corée du Nord qui continue à opposer une résistance farouche, une méchanceté farouche au monde. Un petit garçon de moins de 40 ans qui défie le monde entier avec des bombes là-bas. Puis les gens, ça ne leur dit rien. Mais dans les secrets bibliques, il y a des choses qui s'expriment historiquement que nous pouvons comprendre au travers des textes comme les textes de Daniel et l'Apocalypse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet agent du mal, il était aussi à Gethsémané pour faire endormir les trois disciples et les autres disciples de Jésus. Et Jésus est venu justement pour détruire les diables, les œuvres du diable. Il est venu écraser les diables. Il n'est pas venu pour autre chose. Il a été promis dans l'Ancien Testament, dans Genèse 3:15, que la semence de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Vous n'avez qu'un seul ennemi. Et l'ennemi de votre prière, c'est un seul qui vous empêche de veiller et de prier. Comment Jésus a-t-il rendu ces gens-là capables de veiller et de prier? Parce que quand Jésus vint, la deuxième fois, il les trouva dormant profondément. Leurs yeux étaient apaisantés. Puis il les quitta, il s'éloigna pour prier encore. Et la troisième fois, quand tu revins, il les trouva ronflants. Et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure vient. Les agents de l'ennemi arrivent. Et les agents de l'ennemi arrivent. Les soldats de Christ dorment. Ça nous arrive souvent aussi, mais rentrons dans ce contexte. Les trois apôtres, comme les autres qui sont restés là, parce qu'ils étaient 11 au total, et même les autres disciples, tous étaient fatigués. Ils avaient passé un week-end, une semaine plutôt, très épuisante. Vous savez que pendant cette semaine, Jésus était très occupé allant à Jérusalem chaque jour pour retourner à Béthanie, parlant, discutant avec des pharisiens qui le défiaient et se préparant pour sa mort et sa résurrection. Après la grande marche du dimanche des rameaux. Donc, ils ont organisé pas mal de choses, ils étaient épuisés. Et en plus de cet épuisement, ils étaient sous attaque de l'ennemi. Et la Bible nous dit, toujours dans Matthieu 26, quand Jésus fut arrêté, tout le monde, verset 53, tout le monde l'avait quitté. Et quand il l'avait quitté, alors que Jésus faisait face à la mort, et eux ont voulu l'aider à faire face à la mort, Pierre, vous savez ce que Pierre avait fait avec son couteau. Et il réalisa qu'avec Jésus qui a dit, non, il ne faut pas couper les oreilles des gens. Si je voulais, verset 53, si je voulais faire venir 12 légions, donc 12 légions de l'armée de mon père, 72 000 anges, ils viendraient me défendre. Après que les apôtres aient vu que Jésus n'allait pas utiliser la force pour s'imposer, pour triompher, quand vous allez plus loin, après Matthieu 26, 53, Jésus fut abandonné au verset 56. Jésus fut abandonné par tous ses disciples. Ils prirent tous fuite. Ils fuirent tous.
était resté seul. Il n'était pas capable de prier avec lui, de veiller prier avec lui. Il n'était pas capable de rester avec lui jusqu'à la fin. Et si vous allez dans la dernière partie de Matthieu 26, à partir du verset 69, vous allez voir que non seulement que Pierre n'a pas pu prier avec lui, non seulement qu'il l'a abandonné le Seigneur, mais Pierre est allé encore plus loin. Il a renié 3 fois. Donc comment, la question que je me pose, comment des anciens dormeurs, des anciens défaillants, des gens qui avaient abandonné Jésus et même renié Jésus comme pour Pierre, comment sont-ils devenus, après la résurrection de Jésus, capables de veiller et de prier? Comment ces faibles sont-ils devenus forts? C'est la question que nous voulons traiter aujourd'hui. Comment devint-il capable alors qu'il avait la même chair? Leur chair était toujours faible. Mais comment leur esprit est devenu capable de veiller, de prier, de combattre victorieusement après la résurrection? Pas avant. Et pourquoi après la résurrection? D'abord, avant de vous parler des 7 points que je vais vous donner, il y a un changement sur la terre entre la mort de Jésus et sa résurrection. Avant la mort de Jésus, Satan avait un contrôle quasi absolu sur la terre. Quasi absolu, presque absolu. Satan avait un contrôle quasi absolu sur nous et sur notre vie. Il n'y avait aucune chose pour nous protéger, sauf de temps en temps Dieu qui envoyait un ange chez l'un ou l'autre, comme chez Abraham, pour le mettre à part. Mais après la mort de Jésus, juste le clou de Jésus à la croix là, le clou de Jésus qui ont percé ses mains et ses pieds, et le trou qu'il avait à son côté, représentait au niveau spirituel, invisible, une grande victoire sur tous les démons. Tous les démons étaient cloués à la croix par Jésus-Christ, alors que eux prétendaient que les hommes étaient en train de clouer Jésus. Il y avait un autre combat invisible que les gens ne voyaient pas. Ça, c'est un deuxièmement. Après sa mort, et il est bien indiqué, cela est bien indiqué dans la parole de Dieu, c'est Pierre qui indique cette révélation, Jésus est allé jusqu'au séjour des morts. Il est allé là dépouiller celui qui a l'autorité des morts, qui avait l'autorité des morts depuis que la mort est entrée au jardin d'Éden. La seule personne qui avait l'autorité de la mort et du séjour des morts, qui avait les clés, c'est-à-dire l'autorité, c'était celui qui a fait entrer la mort, qui s'appelle le diable. Et Jésus est allé le dépouiller de ces clés-là. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 1, il est dit qu'il a reçu tout pouvoir et qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il y a des choses qui ont changé spirituellement. Le diable n'est plus chef de la mort, ni du séjour des morts, et il n'a aucune autorité sur nous, à moins que nous lui donnions nous-mêmes. Nous avons un pouvoir exceptionnel et surnaturel sur les démons et les diables après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ceci dit, maintenant écoutez les 7 choses que Jésus a fait pour que ces faibles apôtres deviennent des combattants victorieux de la prière. Deviennent capables non seulement de veiller de prier, mais de veiller de prier victorieusement. Amen. Voici comment il leur a transféré la force qui leur manquait avant sa mort. Et il leur a transféré cette force après sa mort. Premièrement, quand Jésus est venu le voir, et ça vous voyez ça dans Jean 20, 19 à 20, quand Jésus est venu le visiter après sa mort, la première chose qu'il a faite, c'est enlever en eux toute culpabilité, toute condamnation, ôter de leur cœur toute peur, toute insécurité.
Savez-vous que ces gens étaient tellement dans la peur qu'ils avaient oublié leur identité? Savez-vous ça? Ils croyaient vraiment qu'ils étaient des gens qui étaient destinés à être tués. Ils n'avaient plus de destinée. Ils s'enfermaient dans la peur. Ils étaient déprimés, découragés, abattus. Quand Jésus est venu le voir, la première chose qu'il a dit, que la paix soit avec vous. La même chose quand il a vu les femmes au tombeau, ne crains rien. Leur disent les anges, ne crains rien. La première chose que le diable fait quand il veut nous attaquer, c'est semer la peur en nous, semer la déprime, le découragement, l'anxiété, l'angoisse. Et savez-vous pourquoi, comment il le fait? Il nous fait croire que tout ce que nous avons manqué de faire ou nous avons mal fait dans la vie détermine notre vie aujourd'hui. Donc, c'est ça, regarde, c'est ça le hic. Il regarde les apôtres, dit, vous avez manqué, hein? Vous avez renié Jésus, hein? Votre Jésus est mort, hein? Vous avez manqué le train. Ça vient de finir, votre histoire, la caisse est vide. Judas a tout vidé. Il n'y avait plus rien dans la caisse. Ils étaient là. Ils avaient des femmes à nourrir. Pierre était marié. Il y avait des enfants. Vous avez mal fait de suivre Jésus. C'est une erreur que vous avez faite. Et le diable va vous faire croire cela plusieurs fois. C'est une erreur que vous avez faite d'être chrétien. C'est une erreur que vous avez faite. Qu'est-ce que la prière donne? La prière ne donne rien. Priez, priez, priez. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous priez toujours, vous priez toujours. Mais j'ai des témoignages. Des gens qui me disaient comme ça et qui ont fini par me suivre quand ils ont vu que la prière peut se transformer en véhicule. La prière. Négliger la prière, c'est un crime, bien-aimé. Alors Jésus, quand il est revenu, il n'a pas commencé par dire, Pierre, tu m'as renié. Toi, hein? C'est toi qui m'as renié. C'est pas comme ça que Jésus a commencé. Simon, on va manger du poisson. Il lui a donné d'abord du poisson. Puis il a fait manger du poisson bien frit, je ne sais pas avec quel condiment. Mais en tout cas, après avoir mangé du poisson, alors qu'ils étaient là en train de se délecter, en train de faire de digérer ce qu'ils avaient mangé, Jésus a commencé à dire, « M'aimes-tu, chéri, Simon, mon bien-aimé? M'aimes-tu? » Voyez-vous comment il lui parle? Il est en train d'ôter en lui la culpabilité, la condamnation, l'insécurité. Et le monde entier, même les gens, quand vous entendez même des grands hommes qui s'abîment dans la drogue, des grands hommes, des hommes politiques qui s'abîment dans la drogue. Une fois, on a trouvé le général qui était au Rwanda, dans le parc, sous, comme ça. C'est pourquoi? Parce que ces gens-là, moindre petit échec dans la vie, ils pensent qu'ils sont zéro. Et ça, le diable aime nous le montre. Savez-vous, Moïse, il était deux fois zéro et éternellement champion. Deux fois zéro, éternellement champion. Je vous explique la chose. Première fois, il était zéro chez Pharaon. Il devait devenir un grand, et même peut-être le Pharaon d'Égypte. Il a échoué. Il a fui. Il a terminé par un échec. Ses frères l'ont trahi. Il a fui. Deuxième fois, il pouvait devenir un prêtre madianite avec beaucoup de cheptel, un grand éleveur. Il a échoué. Puis, troisième fois, quand Dieu a pris Moïse, alléluia. Quand Dieu a pris Moïse, alléluia. Quand Dieu a pris Moïse, Moïse a réussi. Et Moïse, aujourd'hui, c'est le plus grand juriste, le plus grand fondateur de nation, d'une nation qu'on n'ait jamais connue dans toute l'humanité. La même chose ici. Le même Seigneur, quand il est revenu maintenant, il a remplacé dans le cœur de ses disciples, de ces 11 qui étaient là, avec les autres, même les femmes, peut-être qu'elles étaient là. Il a remplacé dans leur cœur la honte par la fierté d'être avec le ressuscité. Il a remplacé la peur par l'assurance. Il a remplacé l'incrédulité par la foi. Parce qu'avec l'incrédulité, on ne peut rien faire dans le monde spirituel. Et il a remplacé
la tristesse par la joie. Et j'aimerais que vous puissiez lire sur la joie quelques versets que j'ai sélectionnés pour nous tous. Dans Néhémie 8, 10, il est dit que la joie du Seigneur est notre force. Et il faut lire comment, quand les disciples, c'est bien dit dans Jean, quand les disciples virent Jésus, ils étaient dans la joie de voir le ressuscité. Néhémie 8, 10, la joie du Seigneur est notre force. Venez avec moi au psaume et vous allez voir quelques versets sur... Avec moi quelques versets sur la joie. Pourquoi Jésus leur a redonné la joie qu'ils avaient perdue. Psaume 4, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en a, tant abonde leur froment. Jésus a mis en eux plus de joie que les pharisiens avaient, que les scribes avaient, ceux qui les avaient tués, parce qu'en leur mettant la joie, ils étaient maintenant devenus fiers. Pourquoi? Ils étaient devenus plus fiers, plus solides, plus courageux que les autres qui se moquaient d'eux. Venez avec moi dans Psaume 9, verset 3. Il est dit là, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Dès qu'ils virent Jésus, ils ont commencé à faire de Dieu le sujet de leur joie et de leur allégresse. Et c'est en ayant cette joie qu'ils ont commencé à avoir la force de veiller et de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous n'avez pas la joie du Seigneur lorsque vous êtes seul, il est difficile de veiller et de prier. Pourquoi vous allez veiller et prier pour quelqu'un que vous n'aimez même pas, que vous ne connaissez même pas? Il faut tomber en amour avec le Seigneur. Et ici, ils sont tombés en amour. Jésus a inoculé, injecté la joie dans leur cœur. Et alors là, ils pouvaient dire, « Je ferai de toi les sujets de ma joie. » J'aime toujours ces chants-là. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi les sujets de ma joie. Alléluia. » La joie donne la force de prier. Venez avec moi encore au psaume 16, verset 11. Il est dit ce qui suit. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Et il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Quand les apôtres virent Jésus, devant la face de Jésus, ils ont eu une joie abondante, débordante, en voyant le ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Quand tu vois Jésus bien-aimé dans ta vie, tu as la joie, une grande joie que personne ne pourra t'enlever, ne pourra te voler, ne pourra t'ôter. La joie du Seigneur te donne la force. Alors c'est très important, relisez encore quand vous êtes chez vous, Jean 20, 19 à 20, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces disciples-là. Et le verset 20 nous dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et chaque fois que nous voyons le Seigneur dans nos vies, la joie du Seigneur vient sur nous. Et cette joie nous donne la force de louer, d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Amen. Ça, c'est la première chose que le Seigneur Jésus, quand il disait la paix soit avec vous, quand il était apparu, juste le fait pendant 40 jours, il était, par chaque fois qu'il apparaissait, la joie augmentait. C'était comme des gens qui étaient morts de peur, morts de dépression, et que Jésus était en train de ressusciter, à qui il était en train de redonner la vie. En enlevant là. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Il enlève tout ce qui était mort en eux. Il enleva tout ce qui était mort en eux, tout ce qui était tristesse en eux, pour leur donner la vie. Et la vie et la joie viennent ensemble. Car la joie du Seigneur est notre force, notre vie. Deuxièmement, quand vous allez dans Jean 20, 21, alors que ces gens-là étaient encore de faiblards, enfermés, Jésus leur donne une mission, la mission de son Père. Comme le Père m'a envoyé, ces gens-là n'étaient pas qualifiés. Ils ont juste vu Jésus pendant 3 ans environ.
Ils avaient tous abandonné Jésus. Paul, Pierre, qui l'avait renié, n'a pas encore réglé son problème. Mais Jésus ne s'en fait pas. Il donne une direction. La direction vient du Père. Je vous ai mis à part pour ma mission, la mission du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Savez-vous que beaucoup de gens, même faites attention aux jeunes gens qui grandissent. Quand quelqu'un grandit sans but dans sa vie, il tourne en rond. Jésus n'a pas voulu que ses disciples tournent en rond. Il leur a donné un but, une direction. La direction, c'est la mission. Je vais vous envoyer dans le monde pour accomplir la même mission que le Père m'a confiée. Il y a une direction pour l'Église, il y a une direction pour ma vie, pour votre vie. Et cette direction, c'est Jésus qui nous la donne. Et Jésus nous la donne au nom de son Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Nous sommes envoyés dans le monde. Amen. Et c'est ce qu'il devait comprendre que, écoutez, vous êtes mes ambassadeurs. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand vous êtes dans Matthieu 28, 18, 20, il est redit, tout pouvoir m'a été donné. Autrement dit, je vous envoie dans tout mon pouvoir, dans toute mon autorité. Je vous envoie avec tout mon pouvoir. Les démons, vous les avez déjà chassés quand j'étais vivant, maintenant ils vont vous fuir même. Le diable va être terrorisé. Les malades seront guéris. Les pécheurs seront sauvés. Et mon église sera implantée dans le monde pour préparer l'avènement, mon retour glorieux, l'avènement du roi des rois. Amen. Il leur confia sa mission. Troisièmement, Jean 20, 22, voyez-vous, non seulement qu'il les a délivrés de la crainte, de la peur, pour leur donner sa joie, sa force, sa foi, non seulement que Jésus leur confia sa mission divine, sa direction divine qui est sa mission, mais il souffla sur eux son esprit. Il n'y a que deux passages dans la Bible où Dieu souffle sur l'homme. Il y a ces passages de Jean 20, puis il y a Genèse quand on a créé l'homme à l'image de Dieu. Dans les deux passages, il y a une création naturelle puis il y a la création spirituelle. Jésus est en train de créer la nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race. La race des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ils soufflent sur eux. Recevez mon esprit. Et ils reçoivent la nature divine. Quand vous allez dans Pierre, vous allez trouver que dans 2 Pierre 1, 3 à 7, c'est de cette nature divine que sortent toutes les bonnes choses de Dieu. Toutes les vertus de Dieu sortent de ce. Il y a quelque chose en nous que Jésus a soufflé en nous qui fait sortir les vertus de Dieu, qui fait sortir les qualités de Dieu, les attributs de Dieu dans l'enfant de Dieu, le fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes cohéritiers avec Christ, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Quatrièmement, Jésus non seulement qu'il leur a enlevé la crainte, la peur, pour leur donner la joie, la force, la foi, pour combattre le bon combat de la foi, de la prière et triompher. Non seulement que Jésus leur confiait une grande mission, la grande mission divine, et non seulement qu'il souffla sur eux, mais avec tout ça, il leur donna l'autorité surnaturelle qu'il avait lui-même. Dans Jean 20, verset 23, il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, en théologie, c'est reconnu, ça, ces versets-là, comme le pouvoir de clé dans le ministère. Les apôtres ont reçu ce pouvoir. Ce pouvoir est à notre disposition. Le pouvoir non seulement de remettre, mais aussi de retenir le péché est un pouvoir divin. Est un pouvoir qui relève de Dieu. Et les apôtres devaient l'exercer sous la supervision du Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Je me rappelle encore quand je discute de ce sujet avec ma sœur, ma maman. Chaque fois, elle-même, elle ne veut pas retenir le péché. Elle dit, non, papa, il faut qu'on fasse tout pour que les gens soient délivrés de leur péché. Dieu veut qu'ils soient délivrés. Et c'est vrai, voyez-vous, c'est vrai parce que on ne veut pas
condamner les gens, les crucifier. Ce pouvoir a été donné là, parce que quand les apôtres arrivaient quelque part et qu'on leur disait, on ne vous reçoit pas dans cette maison, on leur a dit, vous faites secouer la poussière, partez. Mais très peu de fois, ils l'ont exercé. Très peu de fois. C'est un pouvoir extrêmement fort que Dieu a donné aux apôtres et à leurs descendants. Le pouvoir de remettre le péché. Autrement dit, quand vous priez pour quelqu'un qui est pécheur, quand vous êtes dans le secret de prier seul, vous avez une grande autorité pour délier ces personnes, pour démanteler l'empire du diable dans leur vie et les fiancer encore à Jésus-Christ. Vous avez ce pouvoir. Mais souvent, nous ne l'exerçons pas parce que nos pensées et nos manières parfois de parler sont en dehors de ce pouvoir discrétionnaire que Dieu nous a donné. Nous devons confesser la même chose que Dieu confesse, déclarer la même chose qu'il déclare. Donc ça, c'est le quatrième pouvoir qu'il leur a donné. Et ce quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de remettre le péché ou de le retenir. Quel grand pouvoir! Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. En plus de cela, quand vous le regardez, il a ouvert leurs yeux. La cinquième chose que je vois dans Luc 24, 31, et je le vois encore vers la fin de Luc, et même jusqu'à acte 1. Pourquoi ils voyaient Jésus? N'oubliez pas, quand Jésus paraissait, ils pouvaient disparaître. Parce que Jésus ouvrait leurs yeux pour le voir. Pourquoi ils ont vu les anges qui sont venus annoncer que Jésus reviendrait de la même manière qu'il est parti au ciel dans acte 1? Parce que Jésus avait ouvert leurs yeux. Comment se fait-il que Pierre a vu Ananias et Saphira, qu'il avait menti le Saint-Esprit? Parce que Jésus a ouvert ses yeux. Alléluia. Jésus ouvre nos yeux. Amen. Il a ouvert les yeux de ces gens-là pour qu'ils commencent, quand ils prient, quand vous priez ensemble, bien-aimés, dans la foi, unis, synchronisés par le Saint-Esprit, Dieu va ouvrir vos yeux. Amen. On chante cela, ouvrez nos yeux, Seigneur. Mais il est là pour nous ouvrir les yeux. Regardez quand Élisée avait ouvert les yeux de son serviteur afin qu'il voie l'armée. Combien la foi de ses serviteurs était devenue grande. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts, sinon on risque d'être des aveugles conduisant d'autres aveugles. Même comme père, mère de famille, on a besoin d'avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts quand nos enfants vont à l'école. Je me rappelle toujours que ma mère priait pour moi régulièrement. Et quand j'avais fait une gaffe, ma mère sentait cela alors qu'elle m'avait... Ma mère ne savait pas lire ni écrire. Mais quand j'avais mon bulletin, il savait que si la note était bonne ou pas. C'est drôle, mon père, lui, ne s'occupait pas de cela alors que lui savait lire et écrire. Mais ma mère était très sensible. Quand je faisais une gaffe, elle regardait juste mon visage. Elle savait, Daniel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ses yeux étaient ouverts. Elle intercédait pour la famille. Et particulièrement pour moi. Ma soeur me l'avait dit combien de fois. Et priait pour que je puisse marcher dans le Seigneur et faire de bonnes choses et réussir dans la vie. Nous devons le faire pour nos enfants régulièrement. Quel que soit leur âge, ils ont besoin de notre soutien jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Et Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir aussi le présent et l'avenir de votre famille. Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde. Quand vous intercédez pour le monde, pour les nations, Dieu a ouvert les yeux de Pierre alors qu'il attendait son dîner dans acte 10 avant d'aller voir Corneille. Il a ouvert ses yeux, il lui a montré où il devait aller. Le même Dieu veut nous ouvrir les yeux pour nous permettre, nous pousser à veiller et à prier. Amen. Si vous priez, vous priez, vous ne voyez pas, vous risquez de vous décourager. Vous allez laisser tomber. Ce qui m'encourage quand je prie, c'est qu'il m'ouvre les yeux. C'est qu'il m'ouvre les yeux. Quand il m'ouvre, je vois, waouh, je vais continuer à prier. Parfois, les autres ne voient pas. Tant mieux, quand Daniel voyait, les autres qui étaient avec Daniel ne voyaient pas. Quand Paul a vu, les autres n'ont pas vu. Mais parce qu'il a vu, il a persévéré. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux. Sixièmement, non seulement qu'il a ouvert leurs yeux, non seulement qu'il leur a donné l'autorité spirituelle de remettre le péché, de le retenir, non seulement qu'il a soufflé sur eux le souffle de son esprit,
non seulement qu'il leur a confié une grande mission, la mission de Dieu, la mission divine, d'aller dans le monde entier sauver les pécheurs au nom de Jésus, et non seulement qu'il leur a délivré toute crainte pour s'aimer en eux, la confiance, la foi, l'assurance, comme le chanteur, j'ai l'assurance de mon salut. Mais Jésus a aussi allumé un feu nouveau dans leur cœur. Et on a besoin de cela. Les apôtres étaient comme éteints. L'esprit était éteint en eux. L'esprit ne pouvait pas traverser de la chair qui dominait. Mais quand Jésus leur parlait, et il est bien dit de cela par deux apôtres qui étaient deux disciples, qui étaient des collègues des apôtres qui ont témoigné de cela dans Luc 24, 32. Quand Jésus parlait à ses disciples, leur cœur brûlait. Il en est de même aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque vous recevez la parole du Seigneur, qui vous dit « Je suis avec vous » jusqu'à la fin des temps, ou une autre parole qu'il vous donne d'encouragement, ça brûle toute la paille de l'ennemi dans votre cœur et ça allume un feu nouveau, un feu de l'amour, un feu de la foi, un feu de l'espérance, un feu de l'assurance de notre Dieu. Amen. Un feu prophétique, bien-aimés. Oh, tu peux te voir littéralement en train de prophétiser et de marcher dans la parole de victoire en victoire. Oh, alléluia. Et septièmement, Jésus leur donna une grande promesse. Et cette promesse a couronné tout l'effort de Jésus dans leur vie. La promesse du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Cette grande promesse. N'oubliez pas que nous cheminons vers la Pentecôte. Jésus leur a donné une grande promesse. Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'ils vont commencer à prier, même quand ils sont faibles. Romains 8, verset 26. Lisez bien Romains 8, verset 26. L'Esprit Saint nous aide à prier alors que nous sommes faibles. Bien-aimés, j'aimerais terminer maintenant ma méditation avec vous, ensemble, par un exemple concret d'une personne, d'une famille qui a vécu tous ces sept points. C'était une femme en 71, une femme de 17 ans, en Iowa, qui venait d'être engrossée, une femme blanche, qui venait d'être engrossée par un homme noir, noir américain, d'origine jamaïcaine, un peu française, haïtienne, des parents mélangés. Il venait d'être engrossé, il avait un avenir. Cette femme était pianiste. Et quand elle fut engrossée, ses parents lui ont dit, avorte vite cet enfant, parce que tu vas compromettre ton avenir. Avorte cet enfant. Cette fille de 17 ans a dit non. Et celui qui donne cet témoignage dit, à ce moment-là, en Iowa, c'était la ségrégation raciale. Le papa était irrité de voir pourquoi sa fille s'est fait engrosser par un sale nègre. Allez, avorte vite cet enfant. La fille a dit, no way, je ne veux pas l'avorter. Puis elle a fui, elle a quitté les parents, elle est allée en Californie, très loin, avec son homme noir. Mais l'homme noir, au lieu de rester avec lui, elle quitte encore la femme. Puis là, elle était restée seule avec son bébé qu'elle venait de mettre au monde en Californie, loin de parents. Puis un jour, alors qu'elle est tombée dans la drogue, elle marchait dans la rue en pleurant. Puis une femme qui avait compris le principe que je vous ai donné là, venait avec sa voiture. Puis regarde, a vu une femme qui pleure, une jeune femme, puis descendue de la voiture, est allée vers cette femme. Et écoutez ce qu'elle a dit à cette femme. Jésus-Christ, je ne veux pas vous déranger, mais Jésus-Christ m'a envoyé vous dire aujourd'hui ce qui suit. 1. Jésus t'aime, il t'aime. 2. Tu as fait la meilleure décision. 3. Tout va aller bien dans ta vie. Et que cette femme a entendu cette parole. Ça, c'est, on a enlevé la crainte. On a enlevé la drogue. On a enlevé le découragement. Vous voyez le premier principe. Dès que la femme a reçu cette parole qui brûle, évidemment. Cette parole qui vient avec le souffle du Saint-Esprit.
Cette parole qui vient avec la mission de Dieu, parce que cette femme était en mission de Dieu, bien-aimé. Dès que cette femme qui avait la capacité de lier et de délier, de remettre le péché et de le retenir, lui avait parlé. Cette jeune femme, cette jeune maman est tombée à genoux. Elle a accepté Jésus dans la rue, devant cette femme. Elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et sa vie a changé. Elle n'est plus rentrée dans la drogue. Elle a élevé son enfant. Elle s'est mariée à un pasteur. Et aujourd'hui, quand vous entendez, c'est Israël qui chante « Je suis ami de Dieu ». Voyez combien Dieu est grand. C'est l'enfant qui devait être avorté. Les grands chanteurs Israël aujourd'hui, prédicateurs aussi. Et ces témoignages de la manière dont il était sauvé, la manière dont la maman, alors qu'il était encore aveugle dans le monde, a dit non, je ne peux pas avorter. C'est un principe qu'elle a respecté, un principe divin. Bien-aimé, ce jeune homme aujourd'hui qui chemine vers la quarantaine maintenant parce qu'il est né en 71. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour l'Église de Dieu dans le monde entier. Une grande bénédiction dans le monde entier. Une bénédiction parce qu'il y a eu une femme. Une femme qui est venue délivrer l'autre femme de la crainte et de la peur. Il y a eu une femme qui avait accompli la mission divine que les apôtres ont reçue. Aller dans le monde entier sauver le pécheur. Une bénédiction parce qu'il y avait une femme qui a soufflé le souffle de vie sur l'autre femme qui était en détresse. Une bénédiction parce qu'il y avait une femme qui a exercé l'autorité spirituelle de remettre le péché. Une bénédiction parce qu'il y avait une femme qui avait les yeux ouverts et qui a ouvert les yeux de l'autre sur Dieu. Une bénédiction parce qu'il y avait une femme qui a allumé le feu de l'espérance, le feu de la foi, le feu de la victoire de Dieu dans cette femme qui était apparemment en défaite. Une bénédiction. Parce qu'il y a une femme qui a cru en la promesse de Dieu et qui a transmis cette promesse à une autre femme. C'est plusieurs années après, alors que Israël en parlait de ce témoignage. Bien-aimé du Seigneur, le pasteur Joel Osteen, son pasteur, a commencé à en parler dans son église. Et là, quand il a parlé, puis parce que Israël cherchait où était cette femme qui avait fait ce beau travail de Dieu. Puis là, le pasteur Joel Osteen a reçu une lettre d'une femme de Californie qui se décrivait comme étant cette femme. Et quelques jours après, les deux femmes avec Israël, le fils, se sont retrouvées à la maison de la femme évangéliste qui a sauvé témoin de Jésus-Christ, de la femme puissante témoin de Jésus-Christ qui a sauvé l'autre femme. Et ensemble, ils ont commencé à se rappeler ces jours-là, comment elle est allée avec la puissance de Dieu. Mais aussi, cette femme a pu rappeler les temps de prière qu'elle passait, comment elle veillait et priait, parce que notre thème d'aujourd'hui, veiller et prier. Et quand vous allez voir la vie de Joel Osteen, avant qu'il ne devienne populaire, c'est un gars qui veillait prier dans la musique avec son piano. Il veillait et priait. Il dit, tout commence par l'adoration. Mon worship commence par là. Il dit, mon worship c'est d'abord ma famille, moi-même, devant le Seigneur. Et après, le service à l'église. Il dit, l'église vient après. L'église ne vient pas avant ma famille. Viens pas avant ma communion avec le Seigneur. Bien-aimé, ce qui compte ici, c'est pas la religion, c'est pas le fait de jouer à l'église. Ce qui compte, même pour les apôtres, c'est être en communion avec Jésus. Être en communion avec lui, c'est le laisser vous toucher et me toucher. Et quand il vous touche, il enlève toutes les insécurités, toutes les angoisses, tous les mensonges du diable. On a fait croire pendant longtemps à Israël. Israël,
Huffington. On lui a fait croire qu'il était un accident, qu'on ne le voulait pas dans le monde. Son propre grand-père, à 7 ans, alors qu'il s'était rendu chez son grand-père pour le visiter, arrivé là, tous les enfants, les petits-enfants blancs, ils jouaient, et ils touchaient le laptop, puis ils étaient contents. Mais lui, quand il a voulu toucher le laptop de son grand-père, il a jeté comme ça. Tu n'es pas bienvenu ici. Mais après, il a dit, tout ce que même mon grand-père a fait, c'était bien pour moi, parce que ça m'a poussé à chercher l'Éternel. Amen. À découvrir davantage. Il ne s'est pas fâché contre son grand-père, au contraire. Il a pris une attitude de Joseph. Amen. Le mal qu'on vous fait va vous pousser plus vers le Seigneur. Amen. C'est pourquoi il chante, combien Dieu est grand. Je suis un ami de Dieu. Il m'a choisi. Tous ces chants qu'il chante, c'est l'expérience de sa communion, de celui qui a enlevé de lui toute crainte, toute peur, tout complexe d'infériorité et de supériorité, tout abaissement de ce monde, de celui qui lui a confié la mission d'aller sauver le perdu, de celui qui a soufflé sur lui le souffle de l'Esprit Saint, de celui qui lui a donné l'autorité lui aussi de remettre le péché et de le retenir, de celui qui lui a ouvert les yeux pour qu'il voie pourquoi il fut créé et avec qui il marche sur cette terre avec Jésus, de celui qui a allumé un feu nouveau dans sa vie et qui a accompli la promesse du Saint-Esprit dans sa vie. Levons-nous ensemble pour prier le Seigneur. Alléluia. Vous avez ces chants-là sur votre quoi là? Combien Dieu est grand, je pense. C'était là, notre... Voilà, je pense. Vous l'avez en tête? Le premier. Hein? Le premier chant. Okay. Combien Dieu est grand. Bien-aimé. Peut-être que vous n'êtes pas capable de veiller, de prier. Non. Ne vous complexez pas aujourd'hui. Parce qu'il y a 7 remèdes que Dieu met à votre disposition. Il veut enlever toute crainte, toute insécurité de votre vie. Il veut vous donner une mission spéciale, la mission de Dieu. Oh, il veut souffler sur vous. Le souffle de l'Esprit. Oh oui, il veut vous donner l'autorité divine de remettre, de retenir le péché. Il veut ouvrir vos yeux. Oh oui, comme il le dit encore, il va allumer un feu nouveau, son feu dans votre cœur. Il est grand pour accomplir la promesse du Saint-Esprit dans votre vie. Combien Dieu est grand. Alléluia. Tous verront. Et quand vous chantez la grandeur de Dieu, voyez, il est en train de vous toucher dans sa grandeur et dans sa miséricorde. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien, oh combien, 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 et son plan merveilleux qu'il a fait pour toi et ta famille. Combien, combien, combien? Oh,
non seulement grand dans son église, il est grand dans le cosmos. Il est grand dans ta vie. Dans cette nation, il sera grand. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Ne le regardez pas dans tes limites. Regardez-le dans le surnaturel de sa gloire. Éloignez-vous de toute crainte, de toute peur, de toute parole abaissante, de toute expérience traumatisante. Regardez-le comme cette femme qui l'a regardé et qui a reçu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Combien prions maintenant le Seigneur et recevez cette prière. Le grand Seigneur qui nous a donné un grand sauveur, Jésus-Christ qui est venu mourir dans cette grande mort pour une grande résurrection, afin de nous donner la grande vie éternelle. Viens ouvrir grandement la porte étroite. La porte étroite de son esprit, afin de vous revêtir de sa puissance, pour vous aider à veiller et à prier jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Et ses promesses pour toi, pour ta famille. Car Dieu t'a béni et il te bénit encore aujourd'hui. Reçois-tu sa bénédiction aujourd'hui? Alléluia. Il ne t'a pas appelé à la malédiction, dit le Seigneur. Mais j'ose te dire, comme cette femme-là a dit à la mère d'Israël, Jésus t'aime. Et tu as fait la bonne décision d'être ici, c'est aujourd'hui. Et le reste de ta vie sera meilleur. Ne t'inquiète de rien, car il a un plan merveilleux pour toi et ta famille, puisque tu as choisi la bonne part comme Marie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais. Que le pouvoir de l'Esprit qu'il nous a donné puisse nous aider à veiller et à prier. Et que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions voir l'éternité de sa gloire et l'accomplissement de ses promesses. En Jésus-Christ, notre fidèle et merveilleux Sauveur. Amen.